On va commencer par l'évidence, hein, la situation actuelle. Comment vous vivez ça à l'entraînement, sachant que l'équipe est relativement jeune en plus, est-ce que mentalement c'est pas trop dur à supporter? C'est clair que c'est un peu difficile parce que pour la plupart des personnes qui sont dans le groupe, c'est leur première année dans le groupe professionnel. Donc c'est clair que c'est un peu difficile. On espérait une meilleure situation, mais bon, on est dans cette situation-là, donc va falloir s'accrocher et va falloir rien lâcher jusqu'au bout. Et quand on sortira de cette situation, ben on sera encore plus fort, on saura comment faire s'il y a des autres situations, ce que j'ai des pareilles situations, ce que je n'espère pas, pardon. Et voilà, je pense que ça peut que nous endurcir, mais par contre, il va falloir sortir de cette situation très rapidement parce que sinon, ça va être assez difficile, quoi. On sent beaucoup de fébrilité en match, ça se ressent à l'entraînement aussi, ou c'est juste vraiment la pression de la rencontre? Non, parce qu'à l'entraînement, je pense qu'on bosse bien, on a un bon staff qui nous fait bien bosser. Et dès qu'on arrive en match, ben, y a une crispation, je pense que c'est un blocage mental, je ne sais pas exactement à quoi c'est dû. Mais bon, on travaille tous les entraînements pour pouvoir être très très performant en match et c'est ce qu'on va s'efforcer de faire lors des prochains matchs. Alors on t'a vu un peu plus jouer que lorsque l'équipe jouait à deux pointes, un peu moins selon les systèmes tactiques. Est-ce que tu sais un petit peu comment l'entraîneur veut t'utiliser dans l'avenir? Est-ce qu'on va un peu plus te revoir? Bah, écoutez, pose la question au coach. Moi, de toute façon, je suis à la disposition du groupe. Le coach qui me met en CFA ou qui me met professionnel, je donnerai toujours le maximum de moi-même. Voilà, il y a le retour de Ludo, les retours de Marama, donc je pense que ils sont un peu plus expérimentés, un peu beaucoup plus même, donc c'est un peu normal que dans cette situation qu'il fasse jouer des joueurs un peu plus confirmés, quoi. Et paradoxalement, le club comptait beaucoup sur des joueurs d'expérience qu'on a vu un peu disparaître au fur et à mesure de la saison. Et c'est des jeunes qui sont en train de revenir, des jeunes formés au club qui sont en train de tenir la baraque, on a l'impression. Oui et non, c'est vrai qu'on a un effectif assez jeune, on a des jeunes de qualité quand même. Mais voilà, faut dire qu'on a aussi des anciens qui sont très expérimentés, comme Adriano, comme Ludovic, comme Arma, qui savent bien nous encadrer. Et je pense que c'est important pour nous les jeunes, quand on débute, d'avoir des personnes comme ça au club. Au niveau de l'entraînement, qu'est-ce qui a changé l'arrivée de Marco Simone par rapport à ce que tu as pu connaître avant? C'est un Italien, c'est quelqu'un qui a connu énormément de rigueur et de discipline tactique, donc c'est ce qu'il essaie de nous inculquer. Je pense qu'on bosse très très bien avec Marco. Tactiquement, il sait très bien ce qu'il veut faire, il sait très bien ce qu'il veut nous faire faire sur le terrain. Je pense qu'au niveau de la discipline tactique, du replacement défensif et de tout ça, je pense qu'il nous apporte énormément. Je pense qu'on progresse énormément là-dessus avec lui. Justement, en tant qu'ancien grand attaquant et buteur, est-ce qu'il conseille particulièrement les attaquants comme toi? Oui, quand on fait du travail devant le but, il nous donne des petits conseils, des petits coups de pouce, des choses pour être un peu plus efficace devant le but, et forcément on prend et on essaye de faire pareil, même si c'est pas toujours facile. On essaye de s'inspirer de lui et pourquoi pas un jour faire la même carrière que lui. Comment on peut expliquer justement que devant, il n'y a pas un joueur qui arrive à s'imposer? Pour l'instant, il n'y a pas un joueur qui arrive vraiment à rester régulier. Vous l'attribuez à quoi, le manque de réussite? Ah, vous savez, c'est un tout, hein. C'est pas un joueur qui va prendre le ballon, qui va dribbler tout le monde. C'est un tout, c'est un collectif. Si les individualités doivent ressortir, et ben ça sera grâce au collectif. Et si le collectif n'est pas bien huilé, et ben on ne pourra pas sortir des individualités. Donc je pense qu'il faut beaucoup travailler collectivement et après forcément les individualités elles ressortiront d'elles-mêmes, quoi. Tu as senti une grosse différence de niveau entre ce que tu connaissais au centre de formation et la Ligue 2, finalement tu t'y es assez vite adapté. C'est clair qu'il y a toujours un petit temps d'adaptation, mais bon voilà, il faut. Dans la situation à laquelle on est, il faut vite s'adapter. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps d'adaptation. Il faut très très vite s'adapter parce que voilà, là, il faut gagner des matchs. On est dans une situation assez difficile. Donc le temps d'adaptation, il faut qu'il soit le plus court possible. Mais c'est clair qu'après, il y a une différence entre la CFA et la Ligue 2. Elle est flagrante. Ouais. Tu as signé pro très jeune, avec du recul finalement, est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que ça a pu te freiner, te faire réfléchir? Bah, c'est clair qu'au début, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile quand on vient d'arriver au centre, on signe pro assez tôt, il y a des sollicitations, c'est pas facile. Maintenant, voilà, je pense que ça m'a fait progresser et j'ai pas vraiment tenu compte en fait. J'ai essayé de travailler comme je le pouvais, comme je savais le faire et comme on m'a dit de faire aussi. Donc j'ai pas vraiment tenu compte quoi, en fait, finalement. Ouais. Parce que tu étais un des plus jeunes hein, à signer pro, est-ce que ça peut éventuellement, je sais pas, perturber? Est-ce que ça t'a perturbé dans ta progression, toi ou... Ça peut, mais je
pense pas que ça m'ait perturbé. Je pense que j'ai un entourage et des personnes autour de moi qui savent très bien, dont mon père qui connaît bien le milieu du football. Donc je pense que ces personnes-là ont été là pour moi et m'ont aidé à progresser bien comme il le fallait. Et puis voilà, de toute façon, il y a des hauts et des bas dans une carrière. Donc voilà, j'ai eu des moments de progression, des moments un petit peu où j'ai stagné. Mais voilà, l'essentiel, c'est de jamais rien lâcher, toujours travailler. Et travail paye, quoi. Dans les moments de doute, vers qui tu te tournes pour avoir des conseils, pour avoir tes quatre vérités, on va dire? Bah, je suis très croyant, donc je me tourne énormément vers la religion et je parle aussi beaucoup avec mon père. Mon père qui me donne énormément de conseils et je pense que je lui dois beaucoup de choses à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Il a été énorme et beaucoup important dans tout ce que j'ai fait. Donc je pense que je me tourne énormément vers mon père, il m'apporte énormément de conseils et ouais, il me fait du bien, quoi. Ces jours-ci, qu'est-ce qu'il te dit en ce moment comme conseil? De rien lâcher, de travailler, de bosser, de rien lâcher. C'est toujours les mêmes mots qui ressortent, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est rien lâcher, travailler, travailler, travailler. On se sortira que par ça, quoi. Le travail, c'est tout.